Donnez de la puissance à votre réalité. La réalité n'est que celle que vous déclarez. La réalité n'est que celle que vous déclarez. Écoute, c'est la réalité et je vais te dire oui, t'as raison. C'est ta réalité, je le comprends. Vous savez, je cherche même pas à argumenter quand je vois des gens qui sont opposés à la croissance personnelle. Je leur dis, vous avez raison. Et même quelqu'un qui m'a dit une fois, je vous aime pas, je leur ai dit, vous avez raison. Elle pensait qu'on allait attaquer un dialogue, un échange, mais c'est stérile, j'ai pas de temps à perdre. Je vous aime pas, dans la rue, elle me disait, je vous aime pas. Merci madame, bonne journée, vous avez raison. Ok. Bah, bien sûr qu'elle a raison. C'est sa propre réalité. Et puis, j'ai pas forcément envie de plaire à cette dame. Si elle m'aime pas, je continue mon chemin. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il va falloir vous arrêter de perdre du temps. Vous croyez que vous allez plaire à tout le monde, vous? Non? Donc, c'est à vous de forger votre propre réalité. Et ça, c'est l'un des grands secrets de l'abondance illimitée. Forger votre propre réalité. Mais vous choisissez votre réalité. La réalité est subjective, vous comprenez? Chacun sa réalité. Alors après, vous allez me dire, il y a la loi, il y a la justice, encore, c'est très subjectif selon les juges et les gens qu'il y a derrière eux, mais oui, bien sûr. C'est... Mais d'ailleurs, dès qu'on parle de justice, on parle de subjectivité, forcément. Hein, ça dépend d'êtres humains, de leur avis, ou d'un jury. Mais la réalité, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Quand vous dites, c'est la réalité, le marché du travail est difficile, mais c'est ta réalité à toi. Parce qu'en 2008, quand tout le monde perdait de l'argent, t'as les 3% qui n'ont jamais gagné autant d'argent en rachetant des actions à bas prix. Donc c'est ta réalité. Ouais, mais ça c'est les riches. Ah, intéressant. Et là, vous décortiquez. D'accord? Donc, donnez numéro 4, quatrième façon d'attirer l'abondance à vous. Donnez de la puissance à votre réalité.